Et puis c'est vrai, tu fais comment? Voilà pourquoi il a dit dans la sourate 15, verset 2. Il dit, Rabba Mariwat Bouledi Nakafaru, Muslimin. Il dit, au jour de la résurrection, vous allez regretter, vous allez dire si et savait, elle est devenue musulman. 3 minutes. Donc c'est dès maintenant que le bus du paradis est garé devant toi. Soit tu montes ou soit tu restes là-bas. Mais quand c'est parti, ça n'arrive plus. Donc vous deux là, concertez-vous, sauvez votre âme avant qu'on quitte ici. Voilà. Donc le frère, tu dis tu peux prier comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Voilà. Après. Bah, il va se concentrer. Voilà, il va se concentrer. Pourquoi il va mourir? Ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que nous, on, au moins, comme Oussaz le disait, quand Oussaz dit, est-ce que dans le mot Bible, il est écrit Bible, mais est-ce que. C'est important, parce que c'est le nom que nous avons chargé, c'est la religion que nous avons chargée. Il a dit une chose qui est vraie. Il dit, nous, la nuit, on est venu trouver les écritures, là, c'est Dieu qui a donné à quelqu'un. Oui, mais quand Dieu, nous, on est venu trouver quelque chose, c'est pas nous qui avons écrit la Bible, c'est pas vous qui avez écrit le Coran. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suivre ce que le Coran dit. On doit comparer. Maintenant, si le Coran dit que les musulmans vont au paradis, et puis la Bible ne dit pas que tu vas au paradis, tu fais comment? Tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter, vu que ce n'est pas toi qui as écrit. C'est ça. Donc tu dois suivre ce qui est écrit. C'est très bien. Mais quand tu vois qu'il est écrit dans le Coran que les musulmans vont au paradis, mais il n'est jamais écrit, même un point virgule, pour dire que les chrétiens vont au paradis. Mais malgré ça, tu es fier dedans. On fait comment? Donc nous, je vais te dire. Que, regarde, quand il cite les éléments, là, c'est pour vous amener que quand Dieu donne quelque chose, là, il inculque les vraies valeurs spirituelles et morales à la chose. Pour qu'on sache que c'est lui qui nous a donné. Parce que la religion de Dieu là, doit venir de Dieu, ça ne doit pas découler d'un être humain. Voilà pourquoi tu peux entendre le christianisme, parce que ça vient de qui? Ça vient de Christ. Tu peux entendre le judaïsme, ça vient de qui? Ça vient de Judas. Mais l'islam, ça vient de qui? L'islam, ça n'a pas l'attribut d'un individu. Au contraire, c'est l'attribut d'un créateur qui est quoi? Salam, la paix. Donc, on vous invite à la religion que Dieu a inculquée à l'homme. Et cette religion-là, ce n'est rien d'autre que sa soumission à sa volonté. Ce n'est pas aller à la mosquée, ce n'est pas ça qui est l'islam. Donc, je termine à vous dire, et à finir sur ça, pour vous dire, nous, on a tous les arguments pour prouver aux yeux du monde que l'islam est la seule religion qu'on doit accepter pour être sauvé. Sans orgueil. Et sans insulte. Mais on vous invite et on vous avertit. Si vous refusez de croire en l'islam, on n'est pas vous forcer. Mais dès que vous mourrez là, votre soin est scellé. Voilà. Elle en donne la bonne compréhension. Amina. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah. Donc, il reste 30 secondes. Mais vous allez passer à l'échange direct. Ah, on peut répondre. Vous pouvez répondre. Dans... Justement. Voilà, dans okay. 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 OK. Merci. Merci, merci. C'est ça, c'est ce que je disais. Je disais parce que je vous ai dit d'entrée que ce n'est pas ma première fois de discuter avec des frères musulmans. Connaissant la vérité, ils cachent la vérité à ceux qui ne disent pas la vérité. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Avec les preuves à la prière. C'est ce qu'il a dit. Avec les preuves, il a donné. Or, je vais vous dire quelque chose. La Bible que vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que ni le Coran, ni la Bible, n'a été Dieu lui-même de façon directe qui a mis dans la main de quelqu'un. Comment c'est venu? Je viens. Voilà. Il n'y a pas eu quelqu'un qui dit que voilà la Bible, c'est Dieu qui m'a donné. Mais au moins c'est venu, on doit savoir comment c'est venu. J'ai encore dit. Les deux livres, il a répété. Les deux livres sont à la portée de tous les hommes. Mm-hmm. Chacun lit. Et chacun dans son intelligence. La Bible dit, ne vous trompez pas vous-même. Ne vous trompez pas vous-même. Comment la Bible est venue? Je viens, je vais t'expliquer. Comment ils attendent la Bible? Je vais t'expliquer. Voyez ça ici. La Bible que vous voyez, il y a des personnes qui ont ajouté eux-mêmes. Je viens. Laissez-moi finir. Allez-y. Je vais dire quoi? La Bible que vous voyez là,
il y a des pubs, vous allez voir, il y a des personnes qui ont mis des commentaires en bas. Si vous avez bien écouté ce qu'il a fait, il a lu le verset. Dans le verset, ce n'est pas défini qui a appelé les disciples chrétiens. C'est ça. Merci. Maintenant, comment tu as dit comment il définit? Je viens. Pour ceux qui vous voyez comment on vous manipule, c'est pas manipulation. C'est quelqu'un qui met en bas, qui apporte lui son interprétation. Je viens, mon frère. Non, je viens. En fait, laisse-moi finir. Faut finir, puis on va répondre sur ça. Les gens nous écoutent. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est quelqu'un en bas qui dit voici la raison. Maintenant, moi, maintenant, je vais vous donner des versets que vous, je vais lire, vous allez écouter. Allez-y. Alors, Romain. Donne le verset. Romain 2. Tout ça sur la provenance du christianisme. Hein? Non, je réponds. C'est ce qu'il a dit. Excusez-moi, votre réponse doit être focus. Sur la provenance. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. On finit. Romain. On va changer de sujet maintenant. Romain 2. Voilà, Romain 2. Tu as lu. On suit ensemble. Je dis, merci. Romain 2. Verset 14. Oui. Quand les païens, il a dit c'est les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Qui a dit ça? Dans ce qu'il a lu. Voilà. C'est ce que toi tu relais. Voilà. Tu t'appuies sur le concept. C'est pas la vie. C'est l'interprétation de quelqu'un. D'accord. Voilà. C'est la note explicative. C'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est ce qu'il a dit. La note explicative. Ça veut dire que celui qui a confessionner cette Bible après une interprétation à part. Voilà, c'est dans son interprétation que lui, il s'en tient. Voilà, lisez maintenant. Donc, je te lis maintenant ce que dit la Bible. Ça, ce n'est pas une interprétation d'homme, mais c'est ce que la Bible elle-même dit. Lisez. Donc, je vais. Il dit, quand les pères qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont ceux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ont besoin d'aller à la mosquée pour savoir qu'il faut faire du bien à quelqu'un qui a faim. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu besoin d'aller à la mosquée. Mais dans leur cœur déjà, Dieu a mis en eux de savoir de faire du bien à quelqu'un. Je viens. Ça va bien. Laisse-moi finir. Vous savez. Plus que tu es scandalisé. Non, j'ai bien mon frère. Tu es scandalisé du fait qu'un païen dise à quelqu'un qui est chrétien. Non, toi, c'est de la folie pour toi. Alors que le païen lui-même, là, il peut ne pas aller à la mosquée, il peut ne pas aller à l'église, comme Abraham lui-même était païen, et puis Dieu va se révéler à lui. Je viens, laisse-moi. Arrêtez, laisse-moi parler. Je dis, Abraham n'est pas né religieux. On parle pas de ça. Pourquoi tu me laisses parler? C'est pas mon temps. Un échange. Écoutez, je vous comprends pas. Écoutez, pasteur. Laisse-moi finir. D'abord, laisse-moi finir. Tu auras le temps. Je suis en train de démontrer des choses que tu as dit. Je dis, Abraham lui-même là, il n'est pas né religieux. C'est pas Abraham, je viens. Abraham était païen. Jusqu'au jour où Dieu lui-même a parlé dans son cœur. C'est pas quelqu'un qui est venu enseigner. Le christianisme vient d'où? Abraham lui-même, il n'y a pas un imam, il n'y a pas un pasteur qui allait chez Abraham pour enseigner Dieu à Abraham. C'est Dieu dans le cœur d'Abraham qui s'est fait pour le cœur. Laisse-moi finir. Eux ne connaissent pas. Tu as dit les choses, je t'ai laissé. J'écoute tout mon temps. Il n'y a pas besoin de prendre mon temps. Voilà, donc je continue. Les païens qui n'ont point la loi font naturellement. C'est que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui apprennent Dieu, mais il y a des gens, Dieu se manifeste en eux. On peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Je viens. Laisse-moi finir. Tu vas parler le temps que je prends, tu vas prendre. On est dans une phase qui a fait 15 minutes. Oui. Après 15 minutes. Oui. On est dans une phase maintenant qu'on appelle l'échange direct. C'est-à-dire, vous donnez vos arguments. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vas-y. Tu as dit des choses dont les gens ont avalé. Je vais les faire vomir ça. C'est fini. Viens te pas. Attendez, s'il vous plaît.
Direct, pour que les gens puissent être éclairés. Ce n'est pas qu'on vous laisse développer tout votre temps et puis on vous répond tout votre temps et puis on répond aussi. C'est pas si vous comprenez. Vous avez d'ailleurs 15 minutes, on a eu 15 minutes. Là, on est dans l'échange direct. Voilà. Regardez ce que nous on a posé comme premier problème. Vas-y, le plus on a lu un texte de la Bible. Oui. C'est moi qui l'ai lu. Vas-y. Acte 11, 26. Mm-hmm. Quand on a fini de lire, mm-hmm. on a lu la note explicative qui explique le texte. D'accord. Ça, c'est dans toute théologie. D'accord. Quand il y a un verset là, il faut l'explication du verset. C'est ça. Ou même le contexte du verset. D'accord. Très bien, même dans le Coran, il y en a. On n'a pas de passeport non zoom. Il y en a. Non, attends. Il n'y a pas. Si parce qu'il n'y a pas. Et que y a la limite chez toi. Et que la route continue ailleurs. Il ne faut pas te plaindre. Allons-y. Ici, ça continue. Ici, on explique les mots qui sont employés dans la Bible. Ouais. Donc, expliquer où est sorti le mot, d'où est venu le mot chrétien. Ils disent que c'est les païens qui ont appelé les disciples chrétiens mm-hmm. comme étant un sobriquet. D'accord. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ok, attends, ne répondis pas. D'abord, le mot sobriquet, ça veut dire quoi? Ça plus dire que c'est police, c'est peut-être une moquerie, mais sur. Moquerie parce que ça l'a beaucoup bien venu. C'est moquerie, n'est-ce pas? Ouais. Non, on prend moquerie, ça nous plaît. Voilà, donc prenez moquerie. On prend moquerie, mais là, tu dis quoi? Voilà. Alors dans. Alors, si. Est-ce que toi, tu es d'accord que c'est une moquerie? Jamais de la vie. C'est pas une moquerie. C'est pas une moquerie. C'est quoi? Attends. On va lire. Non, d'abord, avant de lire, je connais quelqu'un. C'est pas comme ça. Regarde. Ils aiment ça, tu es mon opposé. Je vois que tu as lu. On a tout le temps. On va lire. Les gens n'ont pas compris. Moi, je dis, sobriquet là. Voilà. Tu dis, tu prends quoi? Mais t'as dit moquerie, non? T'as dit que c'est pas moquerie. Moi, j'ai prouvé que c'est pas moquerie. Bon, vas-y. C'est pas moquerie. Vas-y, écoutez bien. Il dit, a prouvé. Qu'est-ce que c'est pas une moquerie? Vas-y, 1 Pierre 4. Donc 1 Pierre 4. Verset 16. Verset 16. 15 d'abord, comment 15? Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme maîtrier, ou voleur, ou comme voleur, ou malfaiteur, ou malfaiteur, comme c'est un gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, comme chrétien, qui n'est point honte. Qui n'est pas honte. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas honte. Vas-y. Et que plutôt il glorifie Dieu. Qu'il glorifie Dieu. À cause de ce nom. À cause de ce nom. Ça, ils vont vous cacher ça. Je viens. Non, il sait. Ils vont vous cacher ça. Ça, c'est Pierre. Ne pas dire Paul et puis après t'as répété ses dix. D'accord. Mais ça c'est Pierre. Oui, il dit pas. Il dit quoi? Il dit ne pas avoir. Si quelqu'un souffre comme chrétien. Comme chrétien. Je ne pas avoir honte. Stop. Mais honte, il glorifie Dieu. Tu glorifies Dieu à cause de ce nom. À cause de ce nom. Stop les gars. On va voir si t'es intelligent. Calme-toi. Si pas de honte, c'est qu'il y avait quoi? Calme-toi. Si pas de honte, c'est qu'il y avait quoi? Il y avait pas de honte. Moquerie.
conviction. C'est pour ça qu'il dit faut pas avoir honte. Au fait, parce que quand tu es chrétien, tu es exposé à la souffrance. Les gens ne les respectent pas. Ça c'est qui ou ça c'est qui ou c'est dans la Bible. C'est où? C'est dans la Bible. Comment dire? C'est dans la Bible. Tu as refusé la note explicative, n'est-ce pas? Tu veux pas ça? Je veux pas ça. Mais... Maintenant, toi, tu as lu un texte oui. où on dit de ne pas avoir honte à cause du nom et de glorifier Dieu. À cause de ce nom. Oui. Le nom qu'ils ont, oui. qui est chrétien. Qu'est-ce qu'ils avaient? Écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'ils avaient? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on leur demande de ne pas avoir honte de ce nom. C'est écrit où? Qu'est-ce que Jésus a fait? Moi, je te demande pas de la façon dont tu as lu. Bon, il te demande, il dit. D'accord. Le texte que tu as lu là, on dit qu'il ne faut pas avoir honte à cause du nom. Oui. Mais plutôt de glorifier Dieu. Qui Dieu, écoute-moi bien, écoute ma question. Vas-y. Qui les a fait quoi? Et puis pourquoi on leur demande de ne pas avoir honte? Il y a eu quoi pour leur dire ça? Attends, je viens, calme-toi. Tu vois? Soyons prêts. Vous allez voir un Africain, vous allez voir un blanc. On dit très souvent que l'Africain fait honte. C'est pas parce que c'est pas un homme. C'est à cause de ce qu'il vit. C'est à cause de là où c'est pas ça. Faut pas faire ça. C'est pas là. Ensemble dans l'église, ils construisent une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Regardez, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Moi, je leur demande qui les a appelés chrétiens. Voilà, c'est ce que vous m'avez dit. Attendez, il faut qu'on finisse en passe. Regarde, nous on a donné une explication du mot que vous avez contesté. Ça ne fait pas de nous, c'est pas nous qui avons écrit. C'est ceux qui ont rédigé qui ont écrit. Ah, c'est vrai, oui. Oui, c'est une autre explicative. D'accord. C'est pour avoir une critique générale. Tout à fait. Une critique approfondie du test. C'est ça. Mais vous dites que vous refusez ça. Oui. Donc, on ferme. Oui. Maintenant, nous, on a une inquiétude. Oui, vas-y. Ceux qui ont appelé les disciples chrétiens, là. Oui. Qui sont-ils? Quelle était leur foi? Faut le lire, tu vas comprendre. Quelle était leur foi? Quels sont-ils appelés chrétiens? Faut le lire, tu vas comprendre. Tu as compris ce qu'il a dit? J'ai dit, ceux qui les ont appelés chrétiens, là. Quelle était leur foi? Il parle de la foi. Ok. Ceux qui ont appelé les disciples chrétiens, quelle était leur foi? Bon, nul de moi, la Bible ne dit pas. Ok. Moi, tu as vu, moi, sur la Bible, quelle était? Voici la foi. Tu as vu le mot explicatif? Non, mais c'est vrai, non. Nous sommes là sur la Bible. Pas de l'explicatif. Bon, regarde, tu te poses. Parce que tu es dans notre tradition, tu peux expliquer. Mais en fait, je pense que c'est nous l'écrit. Le niveau est bas. Regarde. Vraiment. Moi, je n'ai pas écrit la Bible. Écoute, moi, je n'ai pas écrit la Bible. Toi, tu n'as pas écrit la Bible. On a trouvé les gens qui ont écrit la Bible. Bon, allons au but. Eux-mêmes nous ont dit comment le mot chrétien a été donné. Maintenant, moi, je veux savoir. Il y a des bonnes questions. Attends. Le mot chrétien là.
Est-ce que c'est Dieu qui vous a fait appeler comme ça? Dieu n'a pas dit directement. Dieu n'a pas dit. Voilà. Est-ce que c'est un ange? Un ange n'a pas dit. Est-ce que c'est Jésus? Jésus n'a pas dit. C'est qui? Attends, on a cité Jésus, on a cité ange, on a cité Dieu, il reste qui? Il reste qui? Non, il reste qui? On a cité Dieu, qui dit c'est pas lui. On a cité les anges, qui dit c'est pas lui. On a cité Jésus, qui dit c'est pas lui. Il reste qui? On a dit, parmi les entités, on a cité tous, il reste un, on n'a pas cité. Il reste Satan. Il y a plein de personnes, il y a Jésus. Attends, souvent les disciples, on a voulu pas. Pourquoi tous les chrétiens ne font pas le pèlerinage dans leur même lieu alors que les musulmans font le pèlerinage dans le même lieu? Ok, c'est la question simple. Non, moi, ça, ok, on a trouvé la question, est-ce possible? Je peux quand même t'aller. J'ai posé la question. Non, je n'ai pas plus répondu avant. Tu poses quoi? La question n'est pas posée, elle a été retournée et puis il répond. Oui. Ok. Je te demande, le pèlerinage, ça vous donne quoi? C'est le cinquième pilier de l'islam. Ok, merci beaucoup. Maintenant, c'est une recommandation de Dieu. Voilà. Donc, et c'est coranique. C'est pas que c'est pas coranique. Vous avez raison. Ils ont 43. C'est le cinquième pilier de l'islam. Est-ce que les chrétiens ne font pas le pèlerinage? Ils font le pèlerinage. Est-ce que vous tous là, vous faites le pèlerinage dans le même lieu? On fait le pèlerinage dans le même lieu. Pourquoi? Merci beaucoup. Le frère avait dit quelque chose au début. Vous voyez un peu. Il dit quoi? Aujourd'hui, le christianisme là. Ah, écoutez là. D'ailleurs, là, il dit écoutez le frère. Le christianisme là. Aujourd'hui, il est. Il est en train de dire. Écoutez. Faut apprendre. Mon Dieu, le christianisme. Mon église là. C'est pas là où il va. Son église, c'est pas comment je vais. Mais on professe un même Dieu. Qui a pour nom Jésus. C'est bon, hein? Qui a pour nom Jésus. Ça va? Qui a pour nom Jésus. Donc si moi, je fais mon pèlerinage, je vais aller faire peut-être quelque part, nous devons faire plus quelque part, l'essentiel est que nous n'ayons pas quoi, la force, on converge tous vers le même Dieu. Voilà, maintenant moi je réponds maintenant, moi je réponds. C'est pour dire que vous êtes dans le faux. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Vous devriez faire le même chemin. Pourquoi tu as moi? Je viens maintenant parce que c'est ça qui est la vérité. Je demande maintenant la vérité. Chinois, Coréens, Américains, Paoulo, Guinéens. L'humanité toute entière, 2 millions de personnes se retrouvent dans le monde parce qu'ils ont la même divinité. Et ils sont dans la même divinité. C'est ça qui est la vérité. Je vais ajouter ce que tu as dit. Tu dis, toi tu dis le même Christ. Le même Christ. Oui. Maintenant, toi tu vas aller faire pour la Bassam. Oui. Lui va aller faire pour la Korogo. Oui. Est-ce que c'est le même Christ qui vous a dit de faire ça? Bon. Ok. Tu n'as pas ta politique. Fais ta politique. Moi je dis aussi franc. Lui le frère, je vous dis, je suis frère. Oui. Je le montre la Bible. Oui. Tu vas voir, Jésus a dit, fais pèlerinage à tel Dieu. Maintenant, vous faites ça pourquoi? Qui a dit ça? J'ai dit la bonne question, calme-toi. Maman a répondu. Oui. Tu as répondu, ça me sentait. Voilà où le faire pèlerinage. Ok, maintenant qui a dit ça? Moi j'ai dit, qu'est-ce que c'est pour moi? Si Dieu n'a pas dit. Qui ont décidé sur la beauté de Dieu de faire Dieu passe pour moi. Dieu me dit, après mon nom, après mes hommes, après mes hommes, non, après mes hommes, non. Mais Dieu parle par là, tu vois, c'est vrai, non. Mais lui, c'est un homme de Dieu, non. C'est Dieu qui parle au travers de lui. Non, parce que ça, c'est pas. Alors, moi, je vais te poser une question. Pourquoi tu vas au pèlerinage? Non, parce que c'est pas homme de Dieu. Je réponds à ça. Réponds-moi. Quand tu passes, attends, quand tu vas au pèlerinage, est-ce que c'est une prescription divine? C'est une question simple. Okay. 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 Okay.